Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Poppy Playtime chapitre 2. Parce que la dernière fois, je suis un peu resté sur ma faim. Je voulais une suite. Moi, je sais juste à quoi ressemble le monstre. On dirait un truc gonflable, bizarre, tu vois ce que je veux dire, et surtout extensible. C'est ce qu'on voit là, il y a des câbles partout, frérot, des trucs, c'est le monstre. Ah ouais, donc là, en fait, le synopsis du chapitre. On avait libéré Poppy à la fin, tu vois. Donc Poppy, c'est la poupée. Et donc, depuis qu'elle est libérée, la situation a changé. Ça a changé très rapidement pendant qu'on est en train de chercher un moyen de s'échapper de l'usine. Parce que oui, on a débarqué et on a regretté, tu vois. Et là, on veut se tailler, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ça commence bien. Ah, j'aime bien ces petits sons de cartoon. Sauf qu'avec un truc comme ça, c'est un peu mal ça. One Time Co's new patented elastic plastic. You can stretch, pull and twist Mommy Long Legs in the craziest way. Ah non, j'entends un truc parler dans mon oreille. Ça dit wake up. You're having fun, she's having fun. The new Mommy Long Legs from Playtime Co. Ta gueule, arrête de me parler toi. Je te jure, t'as entendu ou pas? Wake up. Ah ouais, ça, c'est bizarre. C'est vrai que l'ambiance a changé assez drastiquement, tu vois. Donc quelqu'un qui me dit réveille-toi. Réveille-toi, ça veut dire, est-ce que c'est quelqu'un qui parle à Poppy ou c'est Poppy qui nous parle? Ou bien est-ce que Poppy, elle essaye de réveiller les monstres? Ouais, salut, ça va? Poppy! Ouais! Reste où? Ta gueule, me parle pas, je t'ai dit! Elle est folle ou quoi? Tiens, je l'aime pas, cette Poppy, vraiment. Elle me fout des vibes bizarres. Vraiment, c'est une meuf bad vibes, hein, la vérité. Il y a des gens comme ça, tu les sens pas. Dès le départ. Et là, pareil. Je la sens pas dès le départ. Ah, donc ça commence ici. Bah, on est au départ. Hein. Voilà, on est vraiment là où tout a fini la dernière fois. Donc, c'est là où tout commence ici. C'est français même. Bon, les Reyes, souhaitez-moi bonne chance. J'espère qu'il n'y aura pas des jumpscares de merde. Bon, on a vu un peu le style. Hein. C'est pas trop ça. Je pense que ça va être assez chill. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir des bails où on va nous courir après. Tu vois, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense pas qu'il y aura des bails de surprise. En tout cas, je l'espère pas. On va ouvrir des portes. Ah. Ah ouais, belle ambiance, Michael. J'adore. Waouh. Ok, si la lumière s'éteint, franchement, je pète un câble. Heureusement, on peut courir dans le jeu, ça fait plaisir. Ouais, les longs couloirs. Oh, ta gueule. Elle est en train de me parler. Je sais pas ce qu'elle a dit. Hein. Oh non. Du coup, c'est des trucs éclatés, des jouets éclatés. J'ai pu un peu me renseigner, plus ou moins. Et du coup, il y a des théories comme quoi, en fait, les gens disparus deviennent des jouets. Oh, la connasse est en train de dire, tu vas où, je sais pas quoi. Et bref, du coup, les jouets qu'on voit éclater, c'est des gens. C'est pour ça qu'il y a du sang autour et tout, tu vois. C'est possible, hein. Moi, je crois que ça, c'était une personne avant, tu vois. Je sais pas comment il s'appelait, mais il est mort. Bref, c'est quoi cette porte? Ok, bah reste fermé. Voilà, reste fermé, c'est bien. Tant mieux. Ah, il y a un truc là, j'ai pas vu. Ne dis pas qu'on peut faire Spider-Man. Attends, vas-y. Oh, incroyable. Spider-Man dans Poppy Playtime. Regarde-moi ce balancement. Wouah, je kiffe. C'est une porte qu'on peut ouvrir, ça. Ouais, voilà, effectivement. Là, on dirait une clé. Bah, c'est une clé, je crois. Ah, c'est, tu crois, la clé de la porte rouge? Ah oui, bah oui, je crois que c'est ça. Bah oui, c'est rouge comme la porte, du coup. Non, je le sens bien. Bismillah. Tu t'ouvres. Ouais, grosse ambiance. Oh, on dirait le truc de Five Nights at Freddy's un peu. Soleil ou je sais pas comment il s'appelle. Ah, il y a une cassette qu'on peut ramasser, on peut la mettre ici peut-être. Voilà, c'est ça. Ok. C'est quoi ça? C'est bizarre un peu. Hein. Pourquoi il y a une sortie comme ça là? Ah, j'aime pas trop ça. Bref, ferme. Voilà. Horrible le bruit qu'elle fait, frérot. D'où c'est tombé ça? Pourquoi il y a une vente ici? Bref, viens, on va mettre ça. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Okay. D'accord, bizarre de...
Pourquoi vous faites des enregistrements comme ça, les Rey? Oh, regarde, c'était peut-être ses lunettes. Du coup, ça, c'est le bureau du mec. C'était le PDG, tu vois. Ludwig, quelque chose, bref. Et ça, c'est Experiment 814. Ça, c'est dommage, on peut pas... Ah, si, je peux lire. L'expérience 814 est une tentative désespérée de Ludwig de ramener à la vie un rat mort. Il a utilisé une variété de coquelicots qui s'appelle Poppy. Malheureusement, ça n'a pas marché. Suite à cet échec, Ludwig fait une observation. Il reste optimiste à l'idée de continuer d'exploiter cette piste-là et de continuer ses expériences. Il reste persuadé que ce spécimen de coquelicot a des vertus, selon ses propres termes peu communes. Et il pense qu'avec le bon mélange et la bonne procédure, cela peut avoir des effets qui changent la vie, littéralement. Et il conclut son analyse par une supposition que probablement cela donnerait un résultat différent avec des sujets plus larges. Sachant qu'il venait d'être bouleversé par la mort d'un de ses proches, on peut penser à un être humain, des jouets, c'est l'imagination qui parle après. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va prendre la vente. J'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'il y a moyen qu'on recroise le frérot Huggy. Tu te rappelles le frérot tout bleu là, qui m'a totalement traumatisé et qui n'est sûrement pas mort? Bah oui, parce qu'il était tombé, tu te rappelles, il est tombé de ouf et moi je pensais que c'était... Ah! Sorry. Oh, la chienne. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Ta gueule. Rentre chez ta mère, rentre chez ta mère. Pourquoi tu me parles? Je t'ai dit d'arrêter de me parler. Comment elle me mate? Zahma, toi t'es gentil, vas-y, je te tourne le dos. Ok, bah elle a l'air gentille en vérité. Hein. Donc là, elle va être là pendant qu'on essaye de mettre l'électricité. Arrête de me mater avec tes yeux. C'est stressant un peu, je vais pas te mentir. Hein. D'accord, ok. Tu me mates, hein, c'est bien. Moi aussi, je te mate, t'es à l'œil. Elle a applaudi. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Okay. Thank you. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Hein? Mais c'est ma pote ou quoi? As soon as you get on up here. Je sais pas, moi je lui fais pas confiance à Poppy. While I'm still a doll. Ok, bah attends, j'arrive. Aoudou billah. Comment je lui fais pas confiance, cette meuf? Je savais même pas, elle pouvait nous parler comme ça. Zama, c'est notre pote. Hey, ah. Oh, I'm up here. I see you. Ouais. I should be able to follow you through the vents. This way. C'est vraiment ma pote, cette meuf? Zama, elle va nous protéger contre les méchants. Bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, on va faire Spoodleman, j'adore. Yeehaw! J'adore! Elle est en train de chanter dans les vents et s'est crue dans sa douche ou quoi cette folle? Oh, encore des gens morts. Non, elle va venir par là, c'est sûr. Ou bien c'est pas ces vents-là? Je sais pas. Et ça rend ouf. Salut. Listen. Ouais. I'm going to need you to trust me. Ok, d'accord. Bah, faut croire que... C'est peut-être une victime, en fait, la meuf. Hein. Est-ce que je dois sauter, là, ou pas? Je saute! On va où, là? Je sais même pas où je vais. Ça glisse longtemps. Ah, c'est un long toboggan lourd! Oh, c'était incroyable. Power, il nous faut de l'électricité, frérot. Ok, bah tu sais quoi, je préfère l'avoir dans mon camp plutôt que de l'avoir contre moi. Je sens que je vais prendre 4 piges à faire ce truc. Regarde. Ah, il y en a un ici. Putain, j'ai pas vu. Ah ouais, j'ai capté. C'est bon, on fait ça. Et après... C'est ça ou pas? Génie! Oh, putain. Oh là là, je le sens pas les frérots, je le sens pas, y'a un truc qui va me tomber dessus ou quoi? Ouais, sûrement. Ça va pas? Tu m'as pris ma main, oh maman! Ouais. Instead, why don't we make a game out of it? Okay. The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory and Mommy will get things started. Okay. Obey the rules. Or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Mais t'es un ballon, meuf. T'es un ballon gonflable, qu'est-ce que tu me racontes? Et ma main, alors? Elle m'a pris ma main.
contre, elle raconte un peu trop sa vie, les reines. Théma, le giga levier, frérot. C'est chaud. Mais il y a combien de jouets ici, frérot? Théma? Oh là, on dirait un truc genre à la FNAF. Wow, magnifique. Attends, j'observais juste le dessin. Ça, qui s'est mis ici? Elle est réelle, en fait. D'accord, et ça, c'est la daronne, je crois. Et eux, c'est les enfants, j'en sais rien. Vas-y, crois que c'est une famille, cette folle. Je comprends pas comment ils font pour donner vie à des trucs comme ça. Faut appuyer ici. Franchement, c'est pas rassurant, cette histoire. Oh, il est très joli, le train. Franchement, BG. Alors... Hi, kids. Welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super-duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. C'est quoi ça? Ah, mais attends, il y a un truc qui s'est ouvert ici. Oh non, Musical Memory. Oh le bordel, je crois que ça va ouvrir les trucs séparément. Il y aura ça, il y aura Wuggy, Huggy Wuggy, et ouais, c'est déjà beaucoup. Hé hey, ça va pas ou quoi? Je te jure, j'entends, ça tape dans le truc. Je te jure, si c'était Grand JD, il serait là, il serait en mode, ouais, c'est le bois qui travaille, je sais pas quoi, frérot. Non, c'est pas le bois qui travaille, c'est... C'est le jeu qui nous travaille, frérot, la vérité, et c'est trop. Bon, vas-y, let's go. Moi, je le sens. Pas du tout. Je t'ai vu, mec. Il fait noir, ici. Bon. Oh. Attends, quand je vois ça, pour moi, on va s'échapper carrément. On va... C'est bon, on a gagné, là. J'espère que ça va allumer la lumière. Allume la lumière pour nous. Ouais, j'adore. Molding room. C'est quoi? Moulage, voilà, c'est pour mouler. D'accord. Donc là, on moule. Ça fait des moules, ici. Il y a des moules, ma gueule. Ouais, il y a de la moule ce soir. Ah, attends, c'est quoi, ça? Petite cassette, là? Je vais appuyer sur le bouton d'abord. Allez, moule. Oh, des petites boules. Donc on va mouler avec des boules. Oh, regarde, ça fond. Oh, lourd. Moi, j'aime bien ça. D'accord, et ensuite? Ensuite, ça fait quoi? Ah, il faut réparer, ma gueule. Attends, on va regarder. D'accord. Ah, on peut avoir de l'électricité. Ah, ok, on peut retenir une charge électrique dans la main verte. Mais il faut retrouver la main verte. Ah, ou bien on va se la fabriquer, en fait. D'accord. Ok, moi je pensais que c'était un truc qu'ils vont nous raconter leur vie. En fait, non, c'est des bails un peu techniques. Aïe, ah bah oui, tu peux mourir. Forcément, si la porte elle se referme sur toi, l'hmar. Thank you, bah thank you toi. Attends, peut-être qu'on peut le remettre. Bah oui. Ah, bah oui, on l'a juste remis, c'est tout. Ça suffit, ok. Moi, je pensais que c'était un bail, fallait chercher une pièce ou je sais pas quoi, regarde. Ça va passer là. Ah, t'as vu? C'est un truc avec les mains. Voilà, j'aime bien ça, bah oui. Il faut pas les peindre maintenant, faut les peindre. Maintenant, tac. La couleur verte. No paint in machine. Ah ouais, y a pas de peinture dedans. Faut monter là-haut, quoi. Ok, j'arrive, ma gueule, j'arrive. C'est comme moi, par exemple, s'il y avait pas de vert. Il n'y a pas de fond vert. Le vert, c'est une couleur parfois très importante. Où est-ce que tu veux que j'aille chercher de la peinture? Ah, bah voilà. Eh, vas-y, on l'a chopé. Oh, c'est trop mignon comme on l'a chopé. Ok. Tu mets à l'intérieur. Trop satisfaisant. C'est bon. Ah, là. Il y en a à foison même. Eh non, vraiment, c'est un tutoriel de comment avoir une main verte, quoi. Magnifique. Donc là, ça retient. Et après, on la fout là. Ah, ah. Et là, on rentre. T'as relâché, ok, nickel. Ouais, là, ça s'est refermé. Ça veut dire on est mort. Concrètement, ça veut dire on est mort. Voilà. Ah. I know when your birthday is. June 28. Il a dit c'est le 28 juin. Bon, là, tu mens. Par contre, t'es assez proche, la vérité. Ce qui fait un peu peur. Imagine, il sort vraiment ta vraie date de naissance. Ça fait très peur. Mais ouais, c'est le mois de juin, quoi. Là, il avait presque, quoi. Qu'est-ce qui se passe, là? Welcome to Musical Memory. A sequence of colors will be shown. And you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Ça me rappelle Five Nights at Freddy's, l'opération, tout ça. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Okay. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Salopario aussi. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Oh non. That's all. Good luck.
Oh non. Oh non. C'est pas une bonne nouvelle, le Rey. Isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Ta gueule, toi. Mommy can only imagine how excited Bonzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh non. Oh, that's the dinner bell. Good luck. D'accord, remonte, remonte, c'est bien. Oh là 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 là, c'est la merde. Vas-y, déjà, je vais rater exprès, comme ça, je sais à quoi je m'attends. Oh, il fait peur. Ouais, c'est vrai, c'est assez flippant en vérité, quand même. Commence à avoir les mains un peu moites en fait. Ok, ok, là, là, c'est bon. Là, c'est bon, je sais à quoi m'attendre. Le vert bleu. Ah, attends. Bleu, vert, bleu, bleu, rouge. Ok. Round 2. Oh non, round 2. Red, yellow, blue, blue. Rouge, jaune, bleu, bleu. Red, yellow, blue, blue, yellow. Attends, rouge, jaune, bleu, bleu, jaune. Ok. Red, yellow, blue, blue, yellow, violet. Oh putain, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Rouge, jaune, bleu, bleu. C'est parti trop vite, mec. Round 3. Round 3. Red, white, violet, orange. Rouge, blanc, violet, orange. Rouge, blanc, violet, orange. Y'a trop de couleurs, frère. Red, white, violet, rouge, blanc. Oh, what? Attends, je t'ai perdu, frère. C'est quoi ça? J'appuie n'importe où. Répète, 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 répète. Rouge, blanc, violet, orange, blanc. Rouge, blanc, violet, orange, blanc. Oh, c'était ça! Rouge, blanc. Oh non! C'est mort. Chope-moi qu'on en finisse! Oh putain, round 4, ils vont rajouter je sais pas combien de couleurs, mon ref. Bleu. Oh les bâtards! Oh putain, maintenant je sais pas. C'est bleu, c'est bleu. Putain, mais ça s'affiche rouge. Hein? Mais des lettres? Trop bizarre. Bleu. Oh non. Bleu. Tac. Et le cœur? Oh, ils ont sorti pile, les bâtards. Ah, oh, c'est quoi ça? Round 5. Mais niquez-vous! Non, on se taille, on se taille. Laisse-moi partir! Oh, sa mère, non, là. J'allais me buter, frère. Bah oui. For doing such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Une partie du code. Take it. Elle nous l'a donné, mais regarde comment elle a le bras long. Ok, merci meuf. C'est gentil. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. C'est vraiment une connasse. Vraiment, mais... Alors ça, par exemple, ça, c'est pas gentil. Du tout, wesh. C'est pas grave. On a des petits moyens de se tailler des... Elle a cru qu'elle allait nous emprisonner. Par contre, si elle commence à me caresser les fesses alors que je suis dans des vents, elle a le bras grave long. Si elle veut, elle peut. C'est ça qui est un peu effrayant. Wesh, c'est un courant d'air, tranquille. T'es là, t'ouvres la fenêtre, t'attrapes froid, frérot. Tu crois qu'on a peur d'un courant d'air? Wesh, pourquoi il parle lui? C'est un dinosaure. Dinosaure! Oh! C'est un petit truc, c'est un trophée de quoi? Je sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être moyen qu'on puisse le récupérer. Je sais pas. Oh! Tu fais flipper, mec. Pas très rassurant cette histoire. Encore un bail avec l'électricité. Ah! C'est quoi ce bouton? Ah! Faut le virer en fait, lui. Faut qu'on le bouge, je crois. J'ai dit la capacité a été dépassée. Capacité du poids. Eh, c'est hardcore. Ça montre les jouets en fait qui ont été rejetés ou je sais pas quoi. C'est Owen, le four en fait. Ils ont arrêté parce qu'il y a eu multiples cas de brûlure au troisième degré au niveau des gosses quoi. T'imagines? Ils faisaient des jouets comme ça. C'est un vrai four, frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toute la cargaison de jouets a été colorée de la mauvaise couleur parce que ça a été saboté, la peinture. Et ça dit que la personne qui a saboté, elle a
été... bref, ils sont occupés d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Patty Hall. Patty Hall, ils ont dû la transformer en jouet, mon ref. Ça, c'est presque sûr. Pareil, en fait, Mommy Long Legs, c'est la meuf. Ça veut dire maman longue jambe. Elle est trop effrayante pour le public ciblé, tu vois. Donc les gosses, ils ont trop peur de la meuf. Du coup, ils disent qu'il faut un design plus simple au niveau des couleurs et au niveau de la forme du corps. Bah, tu m'étonnes, mon ref. Elle fait trop flipper sa mère. C'est vraiment très intéressant, cette histoire-là. Tu peux voir les différents projets qui ont été abandonnés ou quoi. Tu vois, c'est spécial. Ah, regarde le truc là-bas. On peut le tirer comme ça. Oh, on peut le déplacer. Vas-y, essaye d'attraper ça. Est-ce que ça va choper le truc? Oh, lourd. Ça va le relâcher, non? Ah, c'est bon, je l'ai. Ah ouais, mais en fait, c'est juste un trophée, quoi, tout bidon. Mais ouais, c'est cool. En fait, il faut déplacer le quemet, là. Sinon, on va pas pouvoir monter. Ok. Dégage, dégage, dégage. Ah, voilà. Ça fait plaisir. Frérot, genre, tu peux pas monter. Alors. Ah! Pourquoi à chaque fois, il y a grave du sang? Y'en a marre. C'était barricadé ou quoi? Ah, c'est bon, on est sorti. Ouh, ça va. Donc, quelle est la prochaine étape? Oh, regarde, maintenant, je peux peut-être l'ouvrir, là, le truc. Eh oui, regarde. Oui. Donc là, c'est le train. Ah ouais, il y a une énigme. Ah, c'est le code, en fait. Du coup, il nous a donné une partie du code. Wow, you did fantastic. Ouais. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you. But I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wacko Wuggy. Head downstairs and have fun. Ah, donc là, ça va être Huggy. On va revoir le poteau. Sûr, en fait, ça va. Ça, c'est pas effrayant. C'est un peu glauque, mais... je pensais pas que ça allait s'ouvrir. Mais c'est pas effrayant. Donc là, on peut éclater Huggy. C'est un jeu où tu éclates Huggy. Welcome to Wacko Wuggy. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. Adorable, tu dis. Hein. If one comes out, hit it with your grab pack. Ça va, c'est tranquille. C'est un petit Huggy, ma foi. J'ai même envie qu'il me fasse un petit câlin, là. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Quoi, du coup, elle va enlever la sécurité des jouets. Petit Huggy, je t'entends. Eh hé. Ah, il est là. Il est là. Petit Huggy. J'avoue, c'était assez mignon. Mais comment ça se fait? Il y en a de plusieurs couleurs. Oh, mon ref. Ça dit quoi depuis le temps? Wow. Ils sont gentils, en vrai. C'est qui s'est mis ici, ça? Oh. Mais il m'a arraché mon visage ou c'est quoi ça? D'accord. Et c'est d'autres Huggy Wuggy en fait. Ok, donc là il suffit juste d'être un peu attentif les rails. Essayez d'écouter d'où ça vient. Normalement on est bon. Ah, attends, j'ai vu un truc sortir là. Tu dégages toi. Ah, il est là. Dégage. T'as vu? Il commence à faire du... Il commence à... Je prends pour qui là? Lui, depuis quand il me regarde? Mais il y en a plein. Oh, bah, j'avoue c'est chaud. Faut être agile et faut avoir un truc bien éclairé. Dégage ta mère. Dégage. Dégage, je t'ai dit. Merde, il y en a un autre, il est en train de me mater, c'est sûr. Oh non, non, lui, il va se jeter sur moi, lui. Dégage, dégage ta mère. En fait, ils prennent du temps à se montrer, tu vois ou pas? Je t'avoue, c'est chaud. Oh. Oh. Oh non. Depuis quand il mate? Je te jure, c'est stressant. T'es là, tu mates. Bah, il te mate. C'est chaud, sa mère. On va réussir. On n'est pas des... Oh! On n'est pas des gens nuls, mais en fait un peu quand même. Ouf. Dégage. Putain. Oh. Wow. Ça rend fou un peu. Hein. Je vais pas... Ça rend fou, j'ai dit. T'imagines, il fallait vraiment les toucher avec la bonne couleur de main et tout. Attends. Ah, je deviens fou, là. Il y en a trop. Attends, deux secondes. Ralentis ta grand-mère, ralentis. C'est de bien voir. Tu vois, il sort. Ah, il y en a un. Il va me niquer. Lui, il s'est énervé. Lui, il commence à s'énerver, là. C'est bon. J'ai eu de la chance. Ta grand-mère. Il y en a trop. Ta grand-mère. Tous vos grand-mères, là. Oh. Oh, ça a bien fait d'appeler leur grand-mère. On dirait pas. Elle est déçue. Merci, meuf. Ok. Allez, par ta main. Only one
Hey. Sad. Mommy was hoping you'd stay here forever. Though, it's never too late to change your mind. C'est ça. Ça va, hein? C'était pas très difficile. Je vous jure, je l'ai fait du premier coup. Il y a un truc là, je peux le choper ou pas? C'est un trophée. Ah, là je tiens. Tire. Ah, mais doucement. Je l'ai pas chopé. Ah si, c'est bon. Vraiment bizarre. Comment on peut arriver de... Oh, Huggy ma gueule! C'est toi, c'est l'original. Ah non, c'est Kissimissi. Oh, t'es trop adorable. Salut! Ah bah... Oh non. Il va appuyer dessus. Enfin, elle va appuyer dessus. Ouais, t'as du mal, hein. T'as pas de force. Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu! Ah mais les animations, impressionnant. Oh, j'ai cru vraiment qu'elle allait venir. Pas du tout. Elle se taille. Ok. D'accord. Peut-être qu'elle est plus raisonnable que... que le frérot. Aucune idée. En tout cas, elle doit pas être très loin. Attends, mais déjà, on va mater un truc, là. Un employé, ça. Wesh. C'est Jacksepticeye? C'est un youtubeur? Je sais pas si c'est lui. Oh, non, je parle, sir. C'est lui. Bah, c'est assez intéressant. C'est du coup un témoignage d'un employé qui dit qu'il a vu un monstre avec 1000 pattes. 1000 pattes. Est-ce que c'est vraiment un 1000 pattes? C'était la question. Ah, je peux tirer ce truc. C'était le but, ouais, c'était le but. Et ouais, surpris, Jacksepticeye. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur très très sympathique, ma foi. Non, j'aime bien ce qu'il fait. Ah, je viens de remarquer, il a des yeux. Il y a un truc là. Peut-être si je fais ça. Ensuite, je fais ça. On a un truc comme ça. Et ça me fait ça. Et là. Oh là là, le professionnel, franchement, j'en ai marre tellement. Je suis un professionnel. Ok, c'est bon, hein. Je crois qu'on est good. C'est pour péter les trucs là-bas, en fait. En bois. Bah, vas-y, pète ça tout de suite parce qu'on sait jamais, frérot. Surtout, je crois qu'il y a... la meuf de Huggy là qui se balade. Ok, lourd. Ça va. Les énigmes sont assez courtes. Pas trop compliquées. Oh, par contre, j'ai eu peur. J'ai cru entendre quelqu'un marcher avec moi sur les grillages ou je sais pas quoi. Ouais, non, il y a vraiment des bruits chelous. Ok. Ah, lourd. C'est bon, on sort du truc. Oh, trop bien. Ça va, je m'attendais à vraiment pire. Bon, la troisième étape, c'est quoi là? Ah, statue, c'est pas ce que c'est, frère. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, quel est ce bail de statue, là? Je comprends pas. Ah, c'est ça, c'est le 1000 pattes. Ah ouais, toujours dans les innovations, c'est bien, frérot. Comme si ça suffisait pas. On dirait la voix de Scooby-Doo, c'est bizarre, cette histoire. Commencez pas à gâcher mon enfance bêtement comme ça, là. Oh, putain. On dirait la garderie dans Five Nights at Freddy's. Je jure. Welcome to statues. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. Ok. You may move again once the lights turn back off. 1, 2, 3 soleil, mais bizarre. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good luck. Oh, le salopard. Oh, je l'avais pas vu, frérot. Salut, ma gueule. Tu joues à quoi? It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they had to one. Ouais. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. Uh-huh. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Oh, c'est charmant. Oh, le bâtard. Tu crois que j'ai peur de toi? La vie d'homme, j'ai pas peur. Il est où? Mais je l'avais pas vu, il était où? Oh, il m'a trop fait peur. Oh là 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 là, faut qu'on court. Faut qu'on court pour notre life. Ah, salopard Doucement avec les jumpscares, frérot. Oh non, ça fait peur. Ah, celui-là, il est chaud. Faut que je détermine avec la musique. Donc là, quand c'est comme ça, tu dois pas bouger. Là, tu bouges. Tu vois? Là, tu bouges sans souci. Là, tu arrêtes de bouger. Et après, tu bouges. Ok, là, on bouge. Oh, sa mère. Mais on dirait qu'il accélère de ouf, hein. Ouh là là.
Si tu respectes pas les règles, tu te fais niquer, tu vois. Voilà, ok, c'est bien. Hop là. Oh lolo. Est-ce qu'on a le droit de se retourner? Oh, il est mignon en vrai. Franchement, il est mignon. Mais c'est chaud quand même. Ah, tu te déplaces vite, ma gueule. Hein. La vérité, tu te déplaces vite. T'es super agile. Hein. Ouais, 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 vraiment. Tu pourrais arrêter? Oh non, je me prends dans les cubes. Oula. Oh, regarde ce qu'il fait. Il va nous tomber dessus. C'est pas juste. Petit chiot de merde. Oh non, il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite, il va trop vite. Il va trop vite. Non. Oh putain, on va dans lequel? Hard, medium. Je vais dans le facile. Facile. Oh putain. Allez, 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 allez. En plus, on va lentement ici. Mais c'est bon, faites pause toutes les deux secondes, là. Ouais, ya, 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 ya. Imagine, on bouge pendant la descente, on fait comment? Allez, 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 vite, 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 vite. On se taille. Je l'entends très proche, je l'entends très proche. Il est proche. Oh putain, regarde, il sort du truc. Faut qu'on passe sur les trucs jaunes. Yeah, yeah, yeah. Pourquoi c'est long? C'est long, là. Oh. Putain, j'ai l'impression que je suis dans Ninja Warrior ou... Les courses d'obstacles, là, dans la télé et tout. Oh putain, mec, c'est long en plus. Wouah. Faut qu'on se mette sur les cubes jaunes, ça va plus vite. C'est bon. J'ai trop bougé après, mais tranquille. Toi, tu bouges grave vite, mec. Et c'est par où la sortie? Ah, c'est un truc là-bas. Je chope ça. Let's go. Ah, je suis hors d'atteinte, mec. T'es vraiment qu'une merde. Me dis pas qu'il faut revenir là-bas et faire le chemin inverse. Ah non, il y a un trou ici. Lourd. Oh la dinguerie. Laisse-moi tranquille, meuf. T'as pas décidé que j'ai gagné, j'ai juste gagné. Parce que je suis trop fort, meuf. Elle a dit qu'on triche. Oh non, je crois qu'elle va nous niquer. Ouais, ouais, ouais. Elle a dit je vais te trouver et tout. Oh, elle est totalement ch'tarbée, hein. Elle se prend pour notre daronne, déjà, je la connais pas. Par contre, j'aime bien ce nouveau système-là pour se déplacer. Très, très sympathique, hein. Vraiment, vraiment, j'aime bien. Water! Oh! Traitement de l'eau! On va voir ça de plus près, parce que, Roya, franchement, pour une fois qu'il y a de l'eau dans le jeu... Allez! Ouais! On peut pas nager, mon ref. Alors là, franchement, le jeu est nul, hein, la vérité. On peut pas nager dans l'eau, t'es fou, quoi, toi? Ouais, là, on peut toucher ça. Ça va nous permettre de se balader ici. Là, je suppose, faut qu'on aille chercher un truc là. Ensuite, on va le poser là-bas. Ça, c'est pour monter, l'autre, c'est pour descendre. Le bouton, c'est quoi, ça? Ah, ok, il y a des boutons à appuyer, en fait. Ok, donc là, concrètement, on peut changer le sens de ça, on peut le changer. Attends deux secondes, ouais, j'arrive. Je vais te réorienter. Faut que ça fasse dans l'autre sens, voilà, c'est bien. Encore l'intelligence, je suis choqué de mon intelligence, hein. Ensuite, ça... Comme ça, ça monte. Globalement, on est carré. Ok, là, je peux le choper ou pas? C'est bon. Ok, on a le petit jouet, le Bonzo Bunny. Oh, il est mignon. Franchement, il est trop cool. On met ça... Oh non, ça va nous laisser entrer ou quoi? Quoi? Mais je veux pas entrer, moi. Je veux me tailler d'ici. Oh là là. Comme ça qu'elle va tomber sur nous, la meuf rose, là. Oh non, c'est quoi ça encore? Peut-être que si je fais ça, ça va ouvrir le truc d'électricité. C'est ça? Voilà. Mais il y a une barrière là. Comment tu fais pour l'ouvrir? Ah mais attends, j'ai réussi à faire un truc là. Ah. Attends, relâche. Ok. Oh, lourd. Et après tu rechoppes ici. Et tu le mets là, hein. Oh je sais pas, j'ai foiré mon coup les rails. C'est un peu tiré par les cheveux mais j'ai capté. Eh, la vérité, c'est trop compliqué pour rien. Je te jure, c'est pas juste. Ça devrait pas être légal, ce genre de conneries, tu vois. Du coup, bref, d'après mes calculs très très précis, là on est bon. Voilà. Et tout ça pour ouvrir quoi au final? Oh, ça a ouvert la grille. Ok. Ah, ah, on a enfin un flashlight. Ah bah depuis le début du jeu, on en a pas. Oh. Ouais. Non. J'ai pas cheaté. One last game. Ouais. It's called Hide and
Ok. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je suis caché là, je suis caché. Promis, je suis caché. Chope-moi s'il te plaît, parce que là, j'ai envie d'en finir. Oh merde. On peut pas remonter. Oh non, dernière ligne droite, les Rey. Oh, comment il fait noir ? On est où là ? Oh mon dieu, j'aime pas du tout ça. Oh, c'est horrible. L'ambiance est horrible. Il y a des tuyaux partout, ma gueule. Ouais, je suis en salle de prison ou quoi là ? Oh lourd. Ok, et une longue allée, frérot, j'aime pas. Aïe, 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 aïe. Oh, ça craint. Ça craint de ouf. Ouais! Tu me laisses partir maintenant que j'ai ton trophée, meuf? Ça va sûrement pas se passer comme ça. Regarde, mais ce qu'ils nous ont pris cher. Ok, avant de progresser, il y a un levier ici. À quoi ça sert? Il sert à rien, il faut de l'électricité. Seulement pour le staff. Bah, je travaillais ici avant, meuf. Ça compte, non? Wesh, pourquoi autant de leviers? C'est quoi ça, là? Oh! Un peu de lumière. Ça fait plaisir. Pourquoi on viendrait jusqu'ici? Je sais pas ce que je suis en train de faire. À tout moment, je suis en train d'activer ma mort. Je vais voir tout là-haut. Il y a des trucs ici rouges. Donc le premier, c'est le rouge. Ah, d'accord. Le deuxième, le bleu. Rouge, bleu, vert. Donc c'est rouge, bleu, vert. Et après, c'est le jaune. Oh, le professionnel. Montre-toi au bout d'un moment, meuf. Parce que là, j'aime pas. Pas aussitôt! Elle est où? Je la vois plus. Je la vois plus. Ah! Je suis bloqué. Oh non, elle va me niquer. Fallait que je me suspende. Bah ouais, putain. C'est bon, meuf, je cherche pas à savoir. Raconte pas ta vie. Tu crois que c'est bon? Elle a pas vu la lumière, cette Hamara. Genre. Ok. Putain, on peut pas repartir par là. La prochaine fois, je sais pas comment ça va se passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on va la cramer ou quoi? Wow. Ah ouais. C'est intéressant quand même. On peut lui incinérer sa mère, hein. Écoute, moi ça me va. Mais là, il manque un truc, non? Ah, salut toi. Voilà, il me faut ça. Une petite pièce, un petit engrenage. Oh, c'est parfait. Perfecto, man. Je pense qu'elle va venir à un moment donné. Ah ouais. C'est ce qu'il fallait faire. Ah bah oui, parce que ça nous fait un petit boulon ou un truc comme ça. Du coup, la pièce, on va la foutre là. Oh, j'ai capté. Petit levier. Des familles. Encore le professionnel en action. Magnifique. Bon, encore une fois. Oh là. Chaque fois, j'ouvre ma gueule. Ah ah. Oh! 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 Vas-y, viens! Oh! Oh! Ah, j'allais me brûler avec elle, tout à fait, c'était le plan! Tu penses qu'on peut s'enfermer dans le four? Donc là, le plan, c'est vraiment, je cours le plus vite possible, tac, et je m'enferme. Allez, meuf, viens vite! Allez, let's go! Allez, on lance le plan! On lance le plan éclaté ou je me mets dans le four? Ou je me cache? Concrètement, je crois qu'il est en train de tourner en rond. Hein. Je suis pas sûr. C'est bizarre en tout cas. Ouais, mais j'ai l'impression que ça a marché. Allô? Allô? Donc non, je crois qu'on lui a vraiment échappé. Quel est le bail? Bah là, j'ai plus d'idées, meuf! Concrètement, j'ai plus d'idées! Putain! Ah! 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 Oh! Je suis censé partir où? Oh, oh. Oh, sa mère! La porte, ok, c'est bon, je me retourne pas. Je me retourne même pas. C'est quoi ça, putain? Oh non! Oh non! Oh! Oh, ces grosses pattes là! Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi!
Oh non, non, je t'ai dit, si elle voulait gratter notre cul, elle pourrait! Putain. Allez, 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 allez! On y arrive! Ouais! Oh, c'est quoi ça? Oh merde! Oh, 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 oh. Tu rigoles, hein? Ah voilà, c'est là qu'il faut partir. Oh! Oh! Allez, tu cours! Oh, sa mère! Oh, sa mère! Oh putain, on part où? C'est bon! Oh! Oh, je suis content, les reilles. Oh, je suis content qu'on y soit arrivé. Oh mon dieu! Oh! Oh, c'était chaud. Et j'ai vraiment recommencé beaucoup de fois. Je comprenais pas. T'es où? Oh non, elle arrive. Oh non, elle arrive. Ta grand-mère. La technique de ta grand-mère, ça marche ou pas? Ah! On part où? Wouhou! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez! Oh, sa mère! Y'a quoi? C'est... Oh! Y'a ça, y'a ça, y'a ça. Ouvre, ouvre, ouvre. Mais ouvre! Ah, elle est bloquée! Oh, shit! Oh. Oh. Meurs. Meurs. Oh la dinguerie, y a du sang par contre. Oh la dinguerie. Hein? Ah, c'est un autre monstre, ça, on dirait. T'as vu ses mains là? C'est des mains, on dirait des... Je sais pas, une araignée. Oh, j'ai kiffé sa mère. Oh, quand elle s'est fait buter. Oh, c'est d'une satisfaction, parce que depuis le début du jeu, elle est là, elle fait la maline. Ouais, j'ai pas fini de jouer avec toi. De toute façon, tu vas mourir, blablabla, tu mérites de mourir. Elle nous a dit des trucs comme ça, des dingueries, elle nous a dit. Elle mérite, frérot, que tu te dises. J'aurais même dit, c'était une mort un peu trop rapide pour une personne aussi mauvaise qu'elle. Ouais, j'irais jusqu'à dire ça. Alors là, Huggy, à côté, il est mignon de fou. Et finalement, Poppy, elle est pas méchante, hein. Enfin, je crois. Hein. C'est pas Poppy qui nous a fait chier, tu vois. Donc, très surpris au final de ce que ça a donné. Salut, meuf. Tu parles pas? Ah ouais, elle est bloquée, quoi. Je peux te ramasser, meuf. Ah, voilà. J'ai libéré. Ça fait plaisir. Did you kill her? Ouais. Ouais, ouais. Good. Ok. I'll board the train. We need to leave. Le train, franchement, toi, t'es un gars sûr, hein. Toi, t'es là pour nous depuis le départ. La vérité, c'est très plaisant. Alors, faut voir. Tac, tac. Je crois que c'est ça, non? Ouais, ouais, ouais. Faut juste arranger. Rouge, jaune, rouge, bleu. Rouge, jaune, rouge, bleu. Et normalement, tu fais ça. Tac. Ah, il y a un ordre dans lequel il faut le faire. 1, 3, 2, 4. Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4. Oh, ma gueule. Bon, bah, let's go. C'est les deux en même temps? Ah. Toutout. Toutout. Ouais, bah, je crois que cette fois, on est good, hein. Mais pas sûr. Pas sûr, en tout cas, nous, même si on s'en sort, peut-être qu'il reste d'autres personnes ici. Voilà, c'est ça le problème. Et surtout, il y a un autre personnage, on sait rien de lui. Celui qui a ramassé le corps de la daronne, là, avec les longs bras et longues jambes. Chelou. Peut-être qu'au dernier moment, on va voir un truc ultra perturbant. Je sais pas. Bah, a priori, non. Hein. Ok. Non, imagine là. Perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Quoi? I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened, but I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What? Quoi? Ça veut dire là, elle nous a délibérément empêchés d'être libres, littéralement. Elle nous a empêchés. Elle a dit ouais, franchement, t'es trop parfait pour partir d'ici. Je crois que je suis in love de toi, mec. Et grâce à toi, bref, elle veut nous utiliser, concrètement. Par contre, tu vas vite, mec. Eh, hey, le train. Le train, ma gueule, tu fais quoi, là? On va où? On va à Paname, là, on va quoi?
C'est quoi ça? Faut l'arrêter, il faut l'arrêter! Arrête-le! Oh non! Ouais, on a déraillé. Hein. Je sais pas si tout se passe comme prévu. Ouais, j'ai l'impression que ouais. Ah, c'est fini, man. Ok. Bon, c'était vraiment pas mal. Vraiment. C'était beaucoup plus long que le premier chapitre, plus consistant. Il y avait des tensions à différents moments. Ouais, franchement, c'était bien. J'ai bien kiffé. Est-ce que, encore une fois, je suis impatient du troisième chapitre? Ça va! En vrai, j'aime bien, la vérité. Surtout que Poppy, elle est un peu de notre côté. Enfin, vite fait, t'as capté. C'est chelou un peu. Hein. Au début, je me suis dit, bon, c'est une connasse. Après, je me dis, ah non, finalement, elle est de notre côté. Et à la fin, on apprend que c'est une connasse. Je suis partagé, en fait. Ouais, bizarre. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, laissez un petit like, un petit commentaire. Prenez soin de vous, je suis une vidéo. Peace!